femme compagnie Paola, leader sous ma chère depuis 40 l'année, fière pour servir tout client, puis bien chaque jour. Pour transférer l'argent, nous faisons dépôt dans toute banque en Haïti. Akam, Okavoy l'agent, dans USA, Canada, République Dominicaine, Bahamas, Turks and Caicos. Pour transfert manger, nous livrer tout partout en Haïti. Et pas oublier mon cash. Une nouvelle façon facile, tout client Kam, Okavoy l'agent, by famille en Haïti. Pour plus d'informations, relez dans 1-800-934-0440 ou soit aller sur camtransfer.com ou bien visitez bureau Kam qui pipe là. Mesdames, Messieurs, je souhaite que nous formes ici Pico Saint-Louis pour Alternative Saint-Complexe. Là, nous à Paris pour nous énième reportage nous sous musique haïtienne. La formation à l'honneur, c'est New Look. New Look qui parle de honneur avec privilège quand même pour lui faire Zénith Coucol. Par exemple, une formation haïtienne qui fait ça. Le concert le plus historique réalisé pour le groupe haïtien jusqu'à présent, c'était le Tabou Combo. Et à l'occasion des 30 ans du Tabou Combo, c'était en 1998. Récemment, il y a le groupe Vibe. Et puis, il y a Karimi qui a fait Zénith pour Coldo. Il y a parlé de affiche, côté que c'est un jazz haïtien qui a l'honneur, sans c'est pas un mélange de plusieurs groupes. Donc, nous sommes capables de faire l'histoire. Et pour le présent moment, ça se présente plutôt bien. Et il semblerait que, d'après ça, les organisateurs. C'est que y a plus de 5000 tickets déjà, donc on peut déjà parler de réussite en termes d'affluence. Et pour nous, qu'est-ce que New Look va nous proposer et sur le plan musical et en termes de spectacle? Donc il n'est que d'attendre, c'est dans 48 heures exactement que New Look va le faire, ça le pour faire dans Zénith. Zénith, ce n'est pas un espace like this, like that, je veux dire, c'est un espace qui a une histoire. Il y a plusieurs Zénith en France, mais Zénith qui est plus connu, c'est Zénith de Paris, qui est situé dans le quartier La Villette, et qui a une capacité de 6300 personnes, et puis qui est démontable, qui est capable de prendre les petits Zénith plein 4000 personnes. Donc si nous avons 25 000 tickets déjà, il faut croire que c'est un gros Zénith plein activité après le passé. Zénith a une histoire, ils sont espace qui est créé en 1984, et puis qui a accueilli de grands événements, j'avais dit des spectacles de Disney, des spectacles de Lady Gaga, des spectacles de Johnny Hallyday, et même pour 2024, là, il y a de grandes affiches prévues. Et au Zénith, par exemple, le mois de septembre, et Zénith a poussé à Bryan Adams. C'est pour vous dire, ce n'est pas n'importe qui côté, New Look pas jouer, c'est un côté qui a une histoire, c'est une la salle qui est plus mythique au niveau de Paris. Donc nous sommes là, nous allons faire de notre mieux pour vous tenir informés pas à pas et avec tous les détails de jeudi jusqu'à concert ça. Donc d'après qui j'aime de Kawen, pourquoi pas répétition, faire des interviews, rencontrer de monde. Il y a un pile de monde qui est déplacé sur New York, qui sur Miami, qui vient dans Zénith là. Au contraire, dans le vol là, j'ai rencontré peut-être 4 ou 5 Haïtiens qui étaient le même vol avec, qui rentrent, qui viennent spécialement pour nous. Nous souhaitons que vraiment que New Look parle fait fierté à Haïti, il va lever Bicolor là bien haut. Ce n'est pas la victoire de New Look si c'est une réussite, ce sera une victoire pour la musique haïtienne. Donc, installez-vous confortablement, nous allons voir comment cela va se passer pour New Look au Zénith. Yeah.
Moi, c'est Daddy, nous sommes de la compagnie de danse Roseau. Donc, on est là aujourd'hui pour le concert de New Look avec Harley Larivière. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir danser pour New Look pour ce concert. Donc, il y a un vrai plaisir, un vrai gros événement. C'est rare qu'on ait des concerts de compas au Zénith. Donc, c'est un plaisir pour nous. Donc, on est là pour représenter la danse. On est des danseurs et professeurs de danse compas. Donc, sur Paris, on est basé sur Paris. Donc, c'était l'occasion pour nous de présenter notre compas travail. Et danse haïtienne aussi, et en danse... général. Voilà. Afro-haïtien. Donc, on sera là avec New Look ce samedi 9 mars au Zénith. Et on donc est voilà. Chaud. Eh bien écoutez, je suis une danseuse du groupe de Daddy Emanuela et puis franchement j'ai hâte d'être au Zénith le 9. Franchement, ramenez votre énergie, on est chaud bouillant. Nous sommes le couple, on va danser au Zénith et on est très ravis de cette opportunité, donc suivez-nous. Quittez compas ma chérie. Nous sommes en plein centre de Paris, là où l'espace qui est conçu essentiellement pour répétition et préparation de spectacle. C'est l'espace ça que New Look a préparé le spectacle. Nous sommes montés, nous faisons garder, nous voyons New Look qui est extrêmement motivé sur la direction d'un Harley Larivière concentré à la rigueur anxieux, et c'est un peu normal par rapport à l'immensité et le côté symbolique de ce concert de New Look au Zénith. Donc ce sont de grandes personnes, ce sont sérieux et cela s'annonce plutôt bien, et par rapport à la quantité de monde qui manifestait désir pour faire partie de spectacle ça. En pile rigueur, en pile concentration, en pile motivation et puis vraiment un sens du sérieux, équipe là prend ça qui parle passé très au sérieux. Des danseurs venus de partout, une délégation qui sortit aux États-Unis avec New Look, ils sont au nombre de 6, et des danseurs également que on prend au niveau de Paris. Donc nous là l'espace répétition, on font garder ensemble et puis on font parler tout avec différents acteurs qui l'espace ça. Gazgolé. OK, moi même c'est Fefe Tambourine Oswald Ben. Là nous dans Paris là avec Pipo Saint-Louis. Et puis samedi, Zénith New Look. Son gros bagay lié, tout haïtien à plat. On a représenté le pays nous. Puis on a fait bon bagay. Bon, je salue nous, bon, déjà, c'est Christian Dor. Je salue l'équipe Pipo Saint-Louis. Bon, Zénith de Paris ce samedi. C'est on fête, pour moi, c'est fête du compas. Parce que je pense que New Look, pas le représenter New Look seulement, il va représenter le compas direct. Le grand jour, c'est demain au Zénith. Je dis à nous pratiquement faire même pas au cours là. Et sortir dans l'hôtel là. Et puis nous sommes rendus directement après qu'une fin de manger à répétition New Look. Je vais vous épargner les images de la répétition vu que nous avons envoyé 2-3 bagailles là-dedans. On nous parlait de l'ambiance là, qui était gagnée. Son ambiance enragée. Donc c'est confirmé qu'il y a un pile monde qui sortit un peu partout qui fait déplacement pour venir un grand concert ça à la Zénith. Moins rarement, ouais, une atmosphère aussi portée vers la fête, aussi portée, il y a un enthousiasme extraordinaire au niveau
de tout le monde. Nous avons de gros fanatiques New Look qui font des placements, comme on parlait de Komoza, qui fait des déplacements pour nous citer les mêmes seulement. Et puis nous avons plus représentants de la presse, tout, Dadou Diosa, Lankaila, et Jean-Marie Simon qui l'avion d'après ça qu'on est qui supposé arriver jeudi à tout. Et comme je vous l'ai dit, c'est une ambiance fou. Et c'est pratiquement presque 12 heures de répétition. Et il y a prévété depuis à 10 heures du matin. Et son répétition qui parle prend fin aux environs de 8 heures à 9 heures du soir. Donc c'est ça l'ambiance. Nous allons parler avec 2-3 personnes qui sont dans la salle là. Nous allons parler avec les musiciens de locaux. Et puis nous allons mettre fin à journée jeudi à. Qui n'a pas de l'autre bagaille là-dedans que répétition, répétition, répétition toute la journée. Donc, rendez-vous plus tard au Zénith. Alors, rendez-vous demain au Zénith, parce que nous sommes encore le 8, pour ce grand concert de New Look. En pile enthousiasme, en pile chaleur, on va voir ce que ça va donner. Demain si Dieu veut, c'est nite. Wadou fait Olympia, Wadou fait Bercy, Wadou va le faire Zénith. Ça ne va le dire dans ça. Demain si Dieu veut, red, il y a mon client. Nous nous allions déjà, Jazz Lala, on a mangé. Demain si Dieu veut, nous allons représenter Haïti, Zénith de Paris. On va dire directement. Pop, pop. On salue tout le monde qui a regardé le show là. Et puis là, nous parlons, c'est nous, c'est Lyon. Nous prenons ça, ça veut dire un gros événement pour ça. Ça le présenter pour tout le monde ici. Bon, tout ça nous souhaite, même si le pays a, dans la traverse là, bon, nous ne pas qu'il y ait des questions dans l'île. Tout le monde, c'est. Venez nous joindre après ça. C'est nous, c'est mieux. Nous prenons tout le monde. Nous sommes là, que nous contents, nous travaillons bien et nous avons des résultats demain si Dieu veut. Tout le monde, et ça peut le faire spécialement pour Haïti, parce que nous connaissons qui s'appelle nous traverser ces journées aujourd'hui. Et puis, nous connaissons avec tout le monde et puis poser des mots, nous avons envahi le monde demain soir. Zénith de Paris, c'est une grosse opportunité, et même si ce n'est pas pour la première fois que Harry va le faire, mais laissez-moi dire que dans la mesure où Harley performance égale à ça, peut-être nous l'espérer, parce que ce ne serait pas un bal, c'est pas un concert. Et c'est vrai qu'en pile haïtien, pourquoi entrer dans le mode de vie, concert. Mais qu'on y a obligé à adapter parce que la musique nous aussi nous voulons de l'autre côté. C'est pas besoin de balle, c'est tradition pas nous, c'est ça nous aimer. Au moins, toutes conditions réunies pour que Harley bâille un bel concert. Mais qui ça nous attendre après ça, qui retombe le cahier, oui, si ça fait aura que Harley gagne, peut-être qu'il va faire ses autres marchés. Afrique, Jean Coupé Cloué de fait dans le temps. Jean Tabou Combo fait là. C'est vrai que nous n'a pas la machine de Tabou Combo. Et par rapport avec ses prestations, par rapport avec ses chansons, mais en lit tout, par rapport avec ses mélodies, car peut-être mener musique à nous l'autre pas. Donc si ça nous espérer, peut-être si le concert ça va 7000 personnes, 7 et peut-être 70 à 80% étrangers, probablement avec toute connexion Berlin, ACP, etc., ça va mener musique là peut-être en Afrique. Nous nous disons demain et qui s'en va, tout est prêt, belle activité,
et tout le monde sous pied, donc c'est une belle activité. Nous avons répétition, nous avons tout motivé pour demain. Donc c'est un grand événement parmi tous les grands événements que Compa Direct réalise. Merci beaucoup. Correct, merci. Demain c'est une belle date parce que nous passons à Bougnolo. C'est également pour la musique haïtienne, pour le Compa Direct. Je m'attends à un grand spectacle. Okay? Il faut savoir que. Maintenant, on a 3-4 000 monde quand même de Paris. Et quoi qu'il advienne, depuis nous avons 10 000 et 3 500 monde dans la soirée, ça, c'est pas un gros spectacle. Une chose qui est intéressante, c'est que ma histoire réservé un pile surprise avec le groupe là pour Fanatico. Nous avons des monde qui ont fait répétition et qui ont fait le même parce que demain, quoi qu'il advienne, là maintenant un gros spectacle. Un gros spectacle qui va dire qu'on s'accueille, une nouvelle génération qui passait, une nouvelle génération qui venait. Nous étions dans le tableau comme on l'a aimé, mais je dis à nous que ma histoire de la rivière et nous allons faire notre transition. On va dire devant. Là, ou après-midi très sombre, nous capable dire ça, c'est le mauvais temps, bon c'est la pluie qui a tombé là, donc nous allons pas jouer à 8h du soir dans Zénith, là nous allons pratiquement dans la cour Zénith, là nous allons avoir accès à backstage là, pour nous garder préparatif yo, avant que nous allons monter sous scène. En forme bon c'est lui alternative plus bien. Et état d'esprit, motivation, anxiété, et comment ça va? Nous faisons pile scène, un pile grande scène. Nous faisons l'Olympia, nous faisons l'Olympia l'année dernière, nous faisons Bercy, tout ça, mais chaque temps, on a un rendez-vous, ça. Mais il y a beaucoup de pression. Il va aller voir malgré combien de temps on gagne dans le business, on a toujours mis de pression. Bon, ce que nous connaissons. Et c'est un zénith New Look, donc le monde qui fait des placements, il y a venu pour New Look. C'est ça la différence. Hein. Parce que bon, je fais Zénith déjà, il y a un peu de monde qui fait Zénith. Mais on fait un plateau, on fait plusieurs bouts. Mais là, on a parlé de 11 Zénith essentiellement en Loup. Donc, c'est une bonne question qui est importante dans la carrière. Et pour un artiste, c'est accompli quand même. Donc, okay. Et, là, on est... et nous avons un Loup en concert dans la cour Zénith. Donc, avec sentiment pour la musique haïtienne qu'on va direct en particulier. Donc, un peu de monde aimé. Et un peu de monde a fait des placements là tout à l'heure. Donc, nous avons bien obligé et présent ici aujourd'hui en France pour que nous venions vivre l'occasion ça. Parce que nous pensons que, et ça, un, la marque Compa Direct, deux, pour l'histoire de New Look, et trois, pour les mélomanes. Nous pensons que aujourd'hui, nous-mêmes, nous là et nous présents, et c'est certain que nous avons un très bon moment avec New Look. Mais année, ça est un peu spécial parce que, on dirait, depuis la sortie de l'album Just For You, Maestro a décidé qu'on New Look seulement de tous côtés. Pas d'un accompagnement, pas d'un artiste invité. Donc, faisons les pour contrôler, demander en pile. Et je pense que c'est ça, nous allons vivre là, moi-même, à soir. Et à part de souhaiter ma soirée bonne chance, mais moi-même, je retirer Zagalo member pour me transformer en Zagalo fanatique. Jeudi 9 mars, un seul rendez-vous, c'est Zénith de Paris. Là, nous avons un concert, New Look. Mes amis, regardez, nous tellement hâte de rentrer, enfin. Nous prenons le jour, nous prenons le boulet jour, et puis toute période. Paris, devant Zénith, New Look. Nous t'a demandé pour aller, Melny. Et si on se met ensemble et lever la main avec le signe de la paix, on veut de la lumière sur la foule, en solidarité à Haïti. Et si vous répétez après moi, paix et amour pour Haïti. Paix et amour pour Haïti. Vive Haïti. Vive Haïti. Haïti, ça passe. Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens dans la salle? Est-ce qu'il y a des Martiniquais dans la salle? Est-ce qu'il y a des Guyanais ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle?
est-ce qu'il y a des Haïtiens? Est-ce qu'il y a des Haïtiens? Mes amis, Harry La Rivière a fait un véritable tabac, c'était à l'Olympia en 2022. Et ce soir, il s'installe dans une salle réputée pour accueillir les plus grands artistes, c'est le Zénith. Pour ce choix, pour cette ambition de Monsieur Harry La Rivière, je vous demande tous de lever les mains, s'il vous plaît. Levez les mains. Ceux qui sont assis derrière, levez-vous, s'il vous plaît. Nous devons accueillir le King, l'homme du Cap-Haïtien, avec les honneurs, avec le respect pour sa belle carrière. Applaudissez bien fort à l'unisson pour Harry La Rivière.
ça. Comme ça. Comme ça. Plus fort, plus fort, plus fort. Ici, il n'y a pas longtemps de ça, mais j'aimerais bien ces chanteurs viennent là-bas. Bon, très important pour moi. Okay. Est-ce qu'on peut envoyer notre ami Bon, ça vient par le vent là. Vous voulez dire quelque chose? Oui, merci à toi. Ça fait des années que je te suis. T'es toujours génial. Super concert. Bisous. Fosse. Longue vie à ta maman. Arlie, je te remercie. C'est un très très bon concert. Merci. J'ai kiffé. Tu es vraiment beau. Tu es beau pour ton génial. Âge. C'est quoi, tu es? Allez, bisous, bisous. Et voilà, mesdames, messieurs, nous y sommes à la fin de ce reportage. Ça a été une très bonne journée, une belle journée pour le compas, une belle journée pour la musique haïtienne. Naturellement, fait à déplorer, c'était une température assez bizarre, avec une pluie fine, le genre de pluie qui facilement donne la grippe. Donc, au Zénith qui commençait avec quelques minutes de retard. Et on y a look super motivé, ou on la rivière super motivé, également des danseurs et des danseuses qui se sentaient très concernés par cette situation. Vous avez pu remarquer qu'il y a eu pas mal de gens à avoir fait le déplacement de New York, de Boston, du Canada et même d'Haïti. J'ai rencontré notre ami médecin là qui est rentré directement de Port-au-Prince, essentiellement pour assister à cet événement. Donc, côté critique, certes, il y a eu quelques critiques parce que pas grand équipe en fait dans la vie. Je pense qu'au niveau de la transition de musique, il y a eu quelques imperfections, quelques moments de flottement. Et nous sommes capables de parler de, au début de la prestation, il y a eu peut-être une certaine. Un petit côté flou au niveau de la sonorisation. Cela s'est vite corrigé, peut-être, et à partir du deuxième ou du troisième morceau de New Look. On a senti un peu de stress au niveau de Orlie La Rivière en tout début, mais elle s'est relâchée tout au cours de cette prestation.
Et exécution musicale, je suis capable de dire que c'était presque sans faute. Et tous les musiciens étaient à la hauteur de l'événement. Bonne présence des guitaristes. Dizzy qui s'est même illustré dans un mini solo, si je peux l'appeler ainsi. Et bande à solide. Côté choral, c'était pratiquement la perfection. Rien à redire sur le choral. Et puis, on est arrivé, on sentit qu'il était préparé pour ça. Et avec, souvelé aux performances vocales plus qu'acceptables. Donc, nous avons pu constater une fois de plus le succès des nombreux hits de New Look. C'était presque lassant, réaction publique ça, qui pratiquement a chanté presque toute musique depuis le premier morceau jusqu'à peut-être la fin de ce concert. Il faut également signaler quand même le succès et des titres tirés du dernier album de New Look, notamment Ma Moitié, notamment Mea Culpa. Et pratiquement toute musique sérieuse a été recevoir un accueil favorable de public là. Nous avons pu constater également la satisfaction du public avec la performance de Oswald et de Joe Edouard Filet. Donc pratiquement et une belle fête. En pile monde fait déplacement, nous avons fêté, nous avons content. Il y a eu beaucoup d'étrangers, on connaît aspect ça important pour nous, t'es gagné pile étrangers. Moi je pensais que en termes de pourcentage, il y avait beaucoup plus d'étrangers de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de monde qui sortit la Réunion et peut-être même de l'Afrique. Nous avons rencontré une Tunisienne, comme vous avez pu le constater, et qui choisit pour témoigner de l'amour pour aller à la rivière, de l'amour pour la musique haïtienne. Donc son concert qui finit peut-être de façon abrupte, il y a une certaine insatisfaction en ce sens, et l'air l'idée sans scène, nous pensons que le poco finit. Mais il y avait une certaine pression au niveau du zénith et parce que nous avons débordé l'œil, il a pratiquement fini le concert là à minuit 10, à minuit moins 10, alors que cela aurait dû prendre fin. Nous, ouais, il faut également signaler sur la rigueur de l'espace zénith là, en pile difficulté, que ce soit pour l'accréditation des journalistes et même organisateurs qui arrivent à côté, étaient tellement pratiquement impuissants par rapport à la rigueur que l'administration Zénith l'a gagné. Bon, je pense que ça mettait en évidence et peut-être une connaissance que nous n'avons pas suffisamment de milieu. Ça. Il y a des choses que nous aurions dû prévoir, nous aurions dû être au courant. Quand je dis nous, je parle des organisateurs, et vu que c'est haïtien, c'est pour ça que nous disons nous. Donc nous avons supposé au courant de tout ça, toutes ces filières, toutes ces coups qui gagnent dans Zénith là, pour éviter peut-être l'insatisfaction en pile monde qui fait déplacement, en pile journalistes qui sont de très loin et qui ont eu pas mal de difficultés pour avoir accès à l'enceinte du Zénith. Bon, finalement, plus de peur que de mal, ils ont rentré peut-être avec un pile difficulté, mais tous les journalistes étaient présents. Mais je pense qu'il y a un pile là qui est insatisfait, pour ne pas dire que certains là qui sont en colère. Donc moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Il y a eu certes des imperfections. Je pense que l'organisation New Look, la structure qui entourait New Look là, il ne faut pas regarder succès concernant là, parce que c'est un succès. C'est un succès au niveau de la réaction du public. C'est également un succès au niveau de l'affluence. Je ne vais pas m'aventurer à donner des chiffres, sinon que je vous dirais que, à mon avis, le Zénith était rempli à peu près à 90% de sa capacité réelle, et nous sommes capables de dire que c'est le grand Zénith. Donc, si c'est le grand Zénith, c'est évident que là, nous connaissons que ce Zénith, la capacité là, c'est près de 4000 personnes. Donc, j'en déduis qu'il y avait plus que 4000 personnes dans l'enceinte du Zénith. Mais comme je vous dis, je ne vais pas m'aventurer à donner des chiffres. Donc, c'est ça. Donc, ça a été une très bonne journée. En tant que défenseur invétéré du compas, je pense qu'il y a des motifs de fierté. Mais, naturellement, nous rendons compte, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Nous avons encore du pain sur la planche pour nous côtoyer de façon intime le professionnalisme et le haut niveau. Nous avons encore du travail à faire, mais je pense que c'est un pas pour la bonne direction. New Look a représenté dignement la musique haïtienne. New Look a représenté dignement Haïti dans cette performance aux Zénith. C'était Pipo Saint-Louis.